Et donc, on avait eu. Alors, je crois que c'était Monkey D. Spidey, je crois. Qui nous avait dit Shanks supérieur à Luffy Gear 5, car Haki supérieur à Fruit du Démon. Bon, là, moi, la question, ça va pas être est-ce que Shanks plus fort que Luffy, mais plutôt cette rivalité entre Fruit du Démon et Haki. Donc, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que, bah, durant l'arc Wano, enfin Onigashima plutôt, on a eu cette case de Kaido nous expliquant que selon lui, ce qui était au top du verse, c'était bah, tout simplement le Haki, et que bah, c'était la seule chose qui permettait d'un peu dominer le monde, selon ses dires. Et donc, bah, moi, je vous pose la question, selon vous, est-ce que bah, Haki au-dessus de Fruit du Démon ou non? Bon, en vrai, pour moi, si ça a été dit, c'est que ça a été dit. En vrai, il n'y a pas trop besoin de tergiverser. Moi, en plus, ça ne me choque pas, parce que c'est le pouvoir qui a introduit un peu en dernier. Enfin, surtout le HDR+, du coup, c'est le pouvoir qu'avait Roger, c'est le pouvoir qu'ont en général les plus forts. Donc, alors que les Fruits du Démon, il y a même des... Même s'il y a Fruits du Démon et Fruits du Démon, mais il y a un peu tout le monde qui en a. Donc, en vrai, voilà, pour moi, là, sa rareté, en fait, et sa difficulté à le manier fait que, pour moi, c'est le plus fort des pouvoirs. Ok, après, bah écoute, voilà, je peux entendre. Moi j'entends ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai juste... Bah, en vrai, les autres, vous en pensez quoi déjà? Est-ce que vous êtes d'accord moi, avec je ça, pense ou... que faut nuancer dans le sens où il est vrai que tu peux devenir un top du verse One Piece avec que le Haki. Tu peux pas devenir un top verse de One Piece avec un Fruit du Démon et sans Haki. Ça, c'est véridique. Par contre, il faut nuancer, il faut prendre le contexte, il faut prendre les personnages, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je suis désolé, t'as beau t'appeler Goldie Roger, Bronco, qu'elle arrive avec son pouvoir et te transforme en cristaux de pierre, t'as perdu. Tu vois? Alors ouais. Oui et non, on nous explique quand même que le Haki permet de contrer les fruits, donc je ne pense pas, personnellement. Sauf que Barbe Noire, il te dit, même de ce que j'ai cru comprendre du pouvoir de Bronco, hein, est-ce que ça marche avec tout, je sais pas. De ce que j'ai cru comprendre du pouvoir de Bangkok, seul Bangkok peut te détransformer. Oui, d'accord, mais avant d'être transformé, tu peux résister au truc si t'es suffisamment fort, je pense. Barbe Noire et Bangkok disent le contraire. Hein. Je sais pas si t'as regardé les dialogues, c'est le contraire qu'ils disent. Il y a que Bangkok qui peut te délivrer de son pouvoir, c'est ce qu'il dit. Non, mais Barbe Noire, il n'a pas été transformé. Oui, mais il parle, les personnages. Non, mais si je te relâche, tu vas me transformer en pierre. Il le dit parce qu'il le sait. C'est vrai. En vrai, pour moi. Je regarde les dialogues, Bangkok, qui t'appelle Goldie Roger. Après avoir dans la suite, mais pour moi, il y a certains fruits du démon. Alors, ça dépend de la situation. Barbe Noire n'a pas le haki de Roger. J'entends ce que tu dis, mais on pourrait te répondre aussi que peut-être parce que Bangkok elle-même a un haki qui est suffisamment élevé. Ça peut être une possibilité. Mais tu sais, je me rappelle qu'il y avait le même débat, par exemple, avec deux personnages. Donc d'un côté, on avait Shogar. Il y avait cette question de est-ce qu'elle peut transformer par exemple Kaido si elle le touche. Et il y avait aussi le débat avec Trafalgar, est-ce que par exemple il peut te faire un Chambles et envoyer Kaido dans l'eau. Ça a été Bangkok, elle te le dit noir sur blanc. Elle dit il y a que elle qui peut te détransformer. Mais il n'est pas dit clairement que elle peut transformer n'importe qui. Tu vois, c'est ça là où je mets la nuance. Et là où on nous a dit que apparemment, selon vous, d'après ce que vous dites, Barbe Noire serait potentiellement transformable par Hancock. Moi, c'est lui qui le dit après, c'est ça le problème. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, je ne contredis pas. Mais je pose la question, est-ce que c'est pas parce que Hancock a elle-même un haki suffisamment élevé? Par exemple, si Trafalgar avait le haki de Roger, bah, il pourrait très certainement envoyer, enfin, peut-être, il pourrait envoyer Kaido dans l'eau, par exemple. Je ne vois pas la relation entre le fruit du démon de Hancock et son haki. Non, moi je vois ce que tu veux dire, mais après le truc c'est que après ça voudrait dire que Hancock elle a acquis à ce genre similaire à celui de Barbe Noire, tu vois, même si Barbe Noire j'en sais rien, mais la corrélation c'est juste en gros de ce qu'on c'est on ce que disait l'eau en fait c'est que les le acquis oui je comprends quand tu subis l'attaque, c'est à dire que tu m'envoies ton fruit du démon, je subis l'attaque, c'est moi, si j'ai un acquis, je peux résister. Mais le acquis de Bangkok il rentre en jeu, c'est à dire que Bangkok quand il balance son fruit du démon, elle a pas besoin de son acquis pour utiliser son fruit du démon. C'est ce qu'on disait, Trafalgar il peut pas par exemple téléporter des gens si son acquis n'est pas supérieur au leur. En tout cas, s'il n'est pas bien supérieur à l'heure. Oui, je te suis, mais non. C'est-à-dire que Bangkok, si tu veux, imaginons qu'elle ne peut pas transformer quelqu'un en statue de pierre parce que le haki de la personne est supérieur au fruit du Bangkok, mais le haki de Bangkok en lui-même, quand il balance son attaque, ne rentre pas en jeu. Pour moi, si. Maintenant, si tu dis qu'on l'eau balance son attaque, que le haki de Big Mom lui protège de son fruit du démon, oui, mais le haki de l'eau ne rentre pas en compte là-dedans. C'est-à-dire que l'eau, il peut avoir le... Par exemple, si Trafalgar est beaucoup plus fort qu'il ne l'était, il pourrait potentiellement envoyer Kaido au Big Mom où il veut, tu vois.
C'est ça que je suis d'accord avec toi. S'il avait une meilleure maîtrise de son fruit du démon, mais son niveau de Haki n'influence rien son pouvoir de son fruit du démon. On ne sait pas. Mais à aucun moment dans le manga. Personnellement, j'ai l'impression que c'est lié à une notion de Haki, personnellement. Il y a ce côté j'ai plus de volonté que toi, et du coup, mon fruit peut s'appliquer à toi. Bon, c'est théorique, là, tout ce qu'on dit, c'est théorique. Mais, Moi, je pense qu'ils sont complémentaires dans le sens, tu vois, t'as des fruits qui augmentent certaines de tes capacités physiques, t'as des fruits qui t'aident à aller plus rapidement, comme le fruit de la lumière. En fonction du match-up, tu vois, ça peut aussi t'aider. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se dire que le Haki, même si pour moi il prime sur les fruits du démon, je les vois un peu comme des compléments, tu vois. Ok, bah j'entends du coup vos avis. Ouais. Du coup, si on résume rapidement, Joe, tu m'as dit pour toi, c'est Haki devant tout. Jahad, ouais. Il vient dire, c'est les deux se valent. Et bah du coup, j'ai oublié un peu Double, tu disais quoi, toi ? Alors moi, pour moi, clairement, factuellement, le Haki est supérieur dans le sens où tu peux devenir roi des pirates rien qu'avec le Haki. D'accord. Sans Haki, avec le fruit du démon, tu peux pas devenir roi des pirates. Alors, et en ce sens-là, c'est supérieur, mais c'est pas une supériorité absolue. Ça dépend absolue. De ton niveau de Haki, ça dépend de la personne. Moi, j'aimerais juste poser une question, j'entends. Et lorsqu'on lit Onigashima et tout, clairement, c'est ce que l'œuvre nous dit. Le Haki est au-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, je me pose quand même une question. Celui que, en tout cas, un des meilleurs candidats pour le poste d'antagoniste final, ça reste quand même le personnage de Barbe Noire. Quelle est la capacité de Barbe Noire ? C'est d'annuler les fruits du démon. Je pose la question. Est-ce que cette capacité, elle est pertinente si on te dit que la plus grande force du manga, c'est le Haki ? J'explique un peu. Imaginons que maintenant, on va supposer que les fruits, c'est ce qu'il y a au max, c'est ce qui compte le plus dans l'univers de One Piece. Tu te retrouves face à Barbe Noire et le personnage te prive de ton fruit. T'es en galère, ça met une tension, ça rend le combat vraiment dangereux. Je te dis que le mec en face de moi, il est très puissant, etc. Maintenant, à l'inverse, si je te dis que, en réalité, le seul truc qui compte, c'est le Haki, et que t'as Barbe Noire qui te vire ton fruit, bah tout de suite, t'es en mode, c'est un peu dérisoire en fait, je m'en fous, j'ai mon Haki quelque part, et donc, le personnage de Barbe Noire n'est pas vraiment une menace. Et lorsqu'on sait, ou plutôt lorsqu'on suppose que c'est censé être l'ennemi final, et bah, j'ai capté ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif ? En vrai, j'ai une réponse, moi, je vois les choses comme ça. En vrai, c'est sûr, t'as relevé un bon point là, mais pour moi, c'était simple. C'est qu'en gros, il y a une possibilité qui est en fait que, justement, c'est quelqu'un qui annule les fruits que Luffy va affronter, parce que justement, s'il doit le battre, ça va être juste avec son Haki. Tu vois ? On peut le voir aussi de cet angle-là. J'entends, mais ça répond pas au fait que... Bah justement, le personnage, du coup, il perd l'impact. Ça oblige Luffy à utiliser que son Haki, tu vois. Non, et peut-être d'accord, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu me rejoins sur le fait que le personnage est beaucoup moins menaçant si, de fait, le Haki est plus puissant que les fruits ? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sa capacité, elle perd en impact, en fait. Ça lui donne quand même un avantage, dans le sens où, imaginons un combat hypothétique où Barbe Noire peut, je dis bien peut, parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire, qu'il puisse retirer à Luffy ses pouvoirs avec son fruit du démon, et que Luffy est obligé de se battre avec son Haki uniquement. Bah, d'un côté, t'as Barbe Noire qui a deux fruits du démon, et ça, qui a son Haki, et t'as Luffy qui a que son Haki. Il n'y a pas de souci, Double, on est d'accord que c'est quand même une capacité, c'est quand même un plus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu me rejoins sur le fait que ce plus, il aurait été beaucoup plus impactant, beaucoup plus important, si on avait la situation inverse, c'est-à-dire que les fruits étaient plus importants, ou au moins aussi importants que le Haki ? Ah oui. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ? Là-dessus, je te rejoins. Mais donc... D'ailleurs, j'aurais quand même ajouté que on ne sait pas si Barbe Noire peut absorber ou non le Haki. Hein. Ça se trouve, il a dit qu'il pouvait tout absorber, donc on ne sait pas en vrai. Pour l'instant, on a que les très compliqué. On a que ça, donc on va rester. Parce que là, du coup, à ce moment-là, il peut bailler. Ça devient dur de le battre, là, du coup. Bah, c'est pour ça que ça en fait un potentiel antagoniste final, parce que. Mais du coup, tu le bats comment ? Bah justement, Oda va nous trouver une solution, hein. Comme à l'époque. Après, avec pour l'instant, c'est théorique, hein. C'est théorique pour l'instant ce truc de Haki. Ouais, ouais, c'est pour ça. Au moins, les fruits, on est sûr que tu vois, ça a été dit. Donc, bon, moi, cette histoire de Haki et de fruits, j'ai l'impression que là, évidemment, on te vend le Haki comme au-dessus, pardon. Mais j'ai l'impression que tôt ou tard, comme Luffy va affronter Barbe Noire, faudra bien qu'à un moment, les fruits du démon, soit ça repasse devant, soit au moins ça revienne au moins au même niveau, quoi. Sinon, ouais, mais Luffy, dans tous les cas, justement, vu qu'il affronte Barbe Noire, et c'est Luffy qui doit devenir plus fort, il va pas utiliser de fruits parce que Barbe Noire annule les fruits. Il va utiliser quoi ? Le Haki. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais oui, donc ça voudra dire que le Haki va surpasser les fruits dans tous les cas. Ouais, bon. Enfin, moi, je vois juste le truc comme ça. Voilà, c'était la petite réflexion du Sancho. Parce que Sancho, j'ai l'impression que Barbe Noire, pour l'instant, c'est pas un antagoniste qui te hype principalement. En termes de quoi ? Moi de non pouvoir, plus, perso. Ou de background et tout, genre. En termes de crédibilité de l'antagoniste final.
Non, mais genre le personnage en soi, je trouve que c'est le meilleur candidat pour l'antagoniste final, tu vois. De par son lien avec Luffy, c'est, voilà, c'est Indy, tout ça, il est plus ou moins responsable de la mort de Ace, etc. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est le pirate originel, on va dire. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je note quand même que c'est vrai que le personnage perd quand même un peu en aura si on te dit que le Haki est au-dessus. C'est tout. Et voilà. Je pense que ça reste quand même le meilleur candidat pour le titre d'ennemi final. Après, il y a aussi le débat, vous savez, ennemi final, est-ce que ça sera Barbe Noire ou bien Im? Il y a aussi ce débat-là. Potentiellement, c'est le gouvernement mondial, hein. On ne sait pas. À voir, à voir. Après, il se peut que le gouvernement mondial soit pour Dragon, tu vois, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Ouais, pour l'instant, Dragon, il fait le retraité, hein. Il fait pas grand-chose pour l'instant, Dragon. Hein. Justement, c'est parce qu'il fait pas grand-chose que tu dois avoir peur de ce qu'il va faire par la suite. Parce qu'actuellement, c'est une fraude, ouais, on va pas se mentir. Et justement, c'est parce que c'est une fraude, mais est-ce que tu peux pas être l'homme le plus recherché du monde. Et par contre, en termes d'impact, ouais, dans l'histoire, n'avoir aucun impact. Il va avoir un putain d'impact. Et c'est justement parce qu'il n'a pas d'impact maintenant que tu dois avoir peur pour ce qu'il va faire par la suite. On a une bonne remarque de GTRO qui nous dit « Luffy a éveillé son Gear 5 après le Haki des Riens. Des Rois, c'est pas pour rien. » Alors, je comprends pas trop cette histoire de « il a éveillé son Gear 5 après le Haki des Rois. » Oui, il veut dire qu'en gros, le power-up le plus important, c'est par rapport à son fruit, quoi. Donc, pour argumenter dans le sens que les fruits du démon ont une importance par rapport au Haki, tu vois. Pour moi, après, je suis pas forcément d'accord, parce que sans son Haki des Rois, même avec le Gear 5, il aurait rien fait. Hein. Parce que sa patate, le Bazongen, c'est quoi? C'est que du Haki des Rois. Hein. En vrai, donc... Tu vois, je suis pas d'accord. Parce c'est que une combinaison pas d'accord, des deux, non, en vrai, c'est une combinaison de tout. C'est... Ouais, vas-y, en fait, son fruit le rend plus libre, tu vois. Du coup, il peut faire ce qu'il veut, mais sans un bon Haki, tu vois. Il va lui servir à quoi, son fruit? Oui, l'un sans l'autre. Si le fruit n'avait qu'un seul de deux, je suis d'accord. Mais le Bazongen, c'est la force offensive. Et plus le Haki. C'est un mélange de tout. T'as vu la taille du point de Luffy? C'est grâce à son fruit qu'il fait ça. Clairement, faut arrêter de ramener que le Haki. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de Rio, de HDR, de fruits, de tout. Et il faut minimum la combinaison de tous les éléments pour battre Kaido. Et heureusement qu'il a fait ça. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, pour moi, c'est une combinaison. Mais genre, si on doit choisir quelque chose. On va choisir comme il a dit tout à l'heure, pour être roi des pirates, avec que du Haki c'est possible, mais avec juste un fruit c'est pas possible. Et attends, du coup, remarque, alors deux messages. Le premier, donc Woji qui nous dit « Et voilà, on revient toujours au fait que le protagoniste se verra privé de son pouvoir. » Spoiler Naruto. Bon, je sais pas si c'est vraiment la même chose, hein, parce que ouais, je trouve que c'est pas vraiment comparable personnellement. Comment ça, spoiler Naruto? Bah, je pense qu'il fait du coup référence à Boruto, je suis pas sûr. Mais Boruto est pas privé de son pouvoir. Si j'ai pas de bêtises, je suis à jour. On va pas spoiler, mais je sais pas s'il fait référence à Boruto ou autre chose. Bon, au pire, Woji, dis-nous à quoi tu penses précisément. Mais en attendant, autre message. Teach sans fruit a traumatisé Shanks, son haki doit être monstrueux. Alors. Bon, en moi, vrai, on a pas d'infos sur ce qui s'est passé. Ça, c'est théorique ce que tu dis. Mais je trouve pour le coup que cette confrontation Barbe Noire Shanks, elle aurait été très intéressante pour cette raison-là. Au-delà du lien qu'ils ont les deux, tu vois, ça, y a pas de souci, les mecs se connaissent depuis très longtemps, il y a eu l'histoire de la cicatrice et tout, ok, pas de souci. Là où ça aurait été vraiment très intéressant pour le personnage de Barbe Noire, c'est que moi, je pensais personnellement que lorsque Onigashima allait se terminer, que forcément Kaido et Big Mom allaient tomber, moi, je pensais que la suite logique, c'était que justement, Barbe Noire aille affronter Shanks. Pourquoi? Parce que Kaido et Big Mom étant tombés, Shanks serait en fait un peu le dernier rival de Barbe Noire pour le titre de roi des pirates. De plus, Shanks étant l'homme qui soi-disant maîtrise le mieux le Haki ou bien étant un des meilleurs participants, bah en fait, il est de fait l'ennemi naturel, on va dire, de Barbe Noire qui a pour capacité d'annuler les fruits. Donc tu vois, moi je me dis ça aurait été vachement cool que quand même Barbe Noire se retrouve face à un mec justement qui est maître du Haki pour justement mettre en évidence que voilà, maintenant... tu peux avoir un bête de fruits et un bête de Haki, tu seras quand même moins fort que Barbe Noire. Moi là-dessus, je trouve que ça aurait été intéressant la confrontation Barbe Noire Shanks. Et du coup, Woji qui nous dit Kyuubi retiré de Naruto. Non mais oui, voilà, c'est ça. Mais tu veux retirer de Naruto, c'est pour ça que j'ai du mal. Tu vois, quand on connaît les match-up, c'est pour ça que j'ai du mal avec la théorie comme quoi Barbe Noire il va tuer Shanks. C'est qu'en vrai, il est terrible le match-up. Hein. Je vois pas comment Barbe Noire il peut le tuer. Bah justement, Barbe Noire il a le fruit de l'homme le plus fort du monde quand même, hein. Vous oubliez son deuxième fruit les gars. Oui mais bon, au-delà de ça, ça se joue sur le Haki quoi. Et ouais, c'est si Barbe Noire gagne justement, ça voudra dire
que le mec est capable de battre le gars qui a le meilleur acquis du monde et qu'en plus il peut annuler ton fruit. Donc quelque part, tu vois, ça fait un vrai antagoniste, quoi. Tu vois le délire ? Ce qui serait bizarre, c'est que le haki des rois, c'est ce qui surpasse tout. Kaido, il le dit. Et Barbe Noire n'a pas le haki des rois. Mais tu sors ça d'où ? Bah, t'as déjà vu Barbe Noire utiliser le haki des rois ? Dans l'œuvre. C'est vrai que jusqu'à présent, t'as déjà vu une mention de Barbe Noire. Je me permets de te caler une belle phrase. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. C'est pas parce que tu n'as pas vu Barbe Noire utiliser le haki des rois qu'il ne l'a pas. Bah, en tout cas, Barbe Noire, il a été confronté dans des situations, quand même, où sa vie était en jeu. Ouais, d'accord. À moins qu'il ait développé par la suite. De quoi ? Barbe Blanche à Mineford, sa vie a été en jeu, tu l'as vu utiliser le haki des rois. Mais Barbe Blanche, il y a une raison, il est malade, il peut plus, c'est dit. Non, c'est vous qui l'avez inventé, ça. Et à aucun moment, on t'a dit, t'es malade, tu peux pas utiliser le haki des rois. Ah si, Marco, il le dit. Marco, il le dit. Même sur haki l'observation, il n'y arrive pas. Marco, il dit qu'en Squardo, le plante, il le dit. Barbe Blanche, dans son état normal, mais jamais de la vie, même par un coéquipier, il se fait avoir par ça. Son haki est défaillant. S'il peut pas utiliser le HDO, je pense pas qu'il puisse utiliser le HDR. Barbe Blanche, il y a des problèmes. Les mecs, tout ça, c'est. Ouais, mais c'est théorique comme le haki des rois de Barbe Noire. Moi, par contre, quand je te dis que l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence, ça, pour le coup, tu peux pas nier ça. Je te dis pas que Barbe Noire l'a. Je te dis juste que me dire que Barbe Noire ne l'a pas, c'est faux. C'est sûr. En tout cas, là, je vais en venir, c'est que si tu montres un personnage qui est au bord de la mort, qui n'a pas utilisé toutes ses armes les plus puissantes, c'est... Mais tu sais que Luffy, dans tous ses combats, il est au bord de la mort et il utilise tous ses haki, hein. Oui, Luffy, il utilise tout. Mais Barbe Noire, justement, il y a des situations où il était au bord de la mort, il n'a pas tout utilisé, et en gros, il s'énerve volontairement, Barbe Noire. Non, mais bon... Non, mais je viens de voir une dinguerie dans le chat, il n'y a pas de match-up dans One Piece, c'est pas Hunter x Hunter. Et que le haki qui t'en sort de... Attends, pour toi là, Luffy a. Lui, Luffy est Ener. Il n'avait pas le fruit élastique, il gagnait contre Ener. Ouais, je pense que c'est un peu mal exprimé, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est qu'à un moment, quand t'as du haki, bah, on s'en fout de qui t'as en face. C'est pas... Tu vois, j'aurais mis Luffy Ener. En vrai, si Ener avait le haki, ça aurait rien changé, tu vois. Enfin, je veux dire, qu'il ait le caoutchouc en face de lui. Mais justement, il y a un contexte, ça dépend en fonction de le stade où en est Luffy, tu vois, après timeskip. Non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il te dit, il n'y a que le haki qui transcende tout. À partir du moment où tu as le haki, en vrai, c'est une sorte de match-up. Dans One Piece, dans l'œuvre, dans sa globalité, alors que c'est faux. Tu vois, ça dépend des moments dans l'histoire, avec les personnages, et s'ils ont le haki développé et tout, tu vois. Non, mais oui, moi je te dis, il s'exprime mal, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire, tu vois, dans le fond. Ah, c'est vrai que le haki, ça arrange bien les choses quand même. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Barbe Noire ne semble pas démontrer un quoi que ce soit potentiel pour avoir le haki des rois. On n'a rien montré sur ce genre. Et si bat Shanks sans haki des rois, c'est rien qu'avec du haki, hein, sans fruit. Bah, et même, je viens d'y penser, mais même avec le haki, tu vois, les armes tranchantes contre Luffy, c'est un mauvais match-up pour lui. Même s'il a du haki actuellement, tu vois, il tombe contre un épéiste, c'est un mauvais match-up pour Luffy. Franchement, je suis pas sûr. Après, ça dépend le niveau de haki de. Ouais, je sais même pas ça dépend du niveau de haki. Kaido le dit. Je pense Kaido, quand il affronte Luffy Gear 5 sur le toit, il lui dit, quand il lui donne des coups de canabou avec ses épines, là, il dit ah, les attaques tranchantes te font toujours de l'effet. Il le dit, Kaido. Ouais, non, mais d'accord. Mais bon. Ah, si, bah, tu vois, ça prouve qu'il y a quand même des match-up, même avec le haki, tu vois. Je reste un peu mitigé quand même là-dessus. Ouais, parce qu'en vrai, les épées, ça fait mal à tout le monde. Hein. C'est pas que. Luffy, parce qu'en fait, le truc, c'est que Kaido, quand Luffy se transforme en Gear 5, quand il lui met des patates, Luffy, à un certain moment, t'as l'impression qu'il ressent rien. Sauf que quand Kaido lui met des attaques avec des armes tranchantes, là, Luffy, il sent quelque chose. Après, quand il en Gear 5, quand tu dis ça, je sais pas sur quoi tu te bases. T'as vu, il y a un moment donné où t'as Kaido, tu vois, avec son canapé, avec des épines, il met une grosse patate à Luffy, avec son truc, et Luffy, il semble avoir mal. Et t'as Kaido qui rétorque, ah, les attaques tranchantes d'une case. Attends, bah, je viens de la trouver. Moi, je me rappelle de cette case-là. Non, mais. Où t'as Luffy qui se tape des barres. Hein. Luffy s'en fout en Gear 5. Non, Luffy se tape des barres quand il se prend ça. Hein. C'est pas Luffy, c'est les paroles de Kaido qui importent là-dedans. Non, mais regarde là, l'image qu'il met là. Non, mais là oui, il prend zéro dégâts, Luffy. Hein. Je suis d'accord avec toi, il prend moins de dégâts quand il est en Gear 5. Mais néanmoins, il y a Kaido qui prononce une phrase importante. Kaido, tu peux pas dire qu'il n'a jamais prononcé cette phrase. Il te dit mais vu que c'est avant Gear 5, en vrai, c'est... Non, c'est pas avant Gear 5, pendant le Gear 5. Quand Luffy est en Gear 5, il lui met un coup de canabo, il lui dit noir sur blanc, quand t'es en Gear 5, les attaques tranchantes, ça a l'air de te faire de l'effet, contrairement aux attaques non tranchantes. Il le dit, Kaido. En vrai, le seul truc qui est chiant avec ces débats de puissance, c'est que t'as l'impression que très vite, ça tourne en rond et qu'on campe un peu sur nos positions parce qu'on n'arrive pas trop à se convaincre les uns les autres.
C'est Mais vrai, juste, souvent. on dit juste le message de GTRO et on s'arrête là, je pense, pour ce débat. C'est Luffy transforme l'épée en caoutchouc et c'est réglé. Luffy et son haki arrêtent facilement les attaques tranchantes. En soi, tu vois, par exemple, là, ce message-là, tu vois, j'ai envie de te dire, bah peut-être, hein, ça se trouve, Luffy peut faire ça se trouve que le mec en face, avec son haki, il peut bloquer ça. En fait, t'en sais rien, quelque part, tu vois, genre, l'auteur, il peut toujours trouver une nouvelle astuce pour tordre le truc comme il veut, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, tu vois, il peut. Ouais. Voilà. Donc, quelque part, moi, je trouve que c'est ça un peu le truc qui est un peu dommage dans les débats de puissance, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'ai l'impression que souvent, ça repose sur des choses qu'on ne comprend pas totalement. Ou en tout cas, on n'a pas toutes les clés de compréhension. Et donc, Ouais. bah, tu peux un peu tordre des trucs comme tu veux. Et donc, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Ouais, après ça dépend de, faut pas être de mauvaise foi, tu vois, Voilà, ça ça. dépend Non, mais comment là, t'es. regarde, nous, on n'est pas de mauvaise foi, nous, par exemple. Mais sans être de Non. mauvaise foi, tu vois. Moi, je trouve que là, les arguments que tu m'avances double, ils me convainquent pas parce que j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que l'auteur, il peut changer ça comme il veut et tout. Ouais, il peut changer Alors, par la de toute suite, mais en façon. tout cas, Et jusqu'à preuve du contraire, j'entends aussi parfaitement les que les gars. arguments que je te donne. J'entends parfaitement que les arguments que je te donne aussi ne te convainquent pas, parce que pour la même raison, en fait, tu vois. Alors, en fait, là où je veux revenir, c'est qu'il y a, quand il y a un personnage qui parle, tu peux pas dire il ment. Mais Kaido, il te dit ouais. littéralement les attaques tranchantes te font plus mal, Luffy, c'est noir sur blanc, les gars, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'interprétation. Là, c'est clair, il le Peut-être. dit. Il le dit, les attaques tranchantes te font plus mal, Luffy, il l'a dit, les gars, c'est pas une question d'interprétation. Faudra vérifier quand même la case et tout, mais peut-être.